Bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de réalisation dans laquelle, comme vous l'avez vu sur la vignette, nous allons commencer le temple égyptien. Patron HAED, je voudrais pas dire de bêtises. Attendez, je fais une marche arrière. C'est de qui? De Ciro Marchetti? Oui, un patron de Ciro Marchetti. Qui fait 625 points sur 229 et qui contient 90 couleurs. Je la brode sur un 20CT. C'est une toile Zweigart, couleur, je sais plus, je crois que c'est beige. Je ne sais plus le numéro de la couleur que j'ai prise sur le site de Mère en Fille. Voilà. Alors. Je remets mon pattern keeper. Donc, c'est un duo que je fais avec ma petite Claudie. On a mis un peu de temps à avoir le temps, justement, de se mettre sur cette toile. Et puis, ben là, j'ai eu envie. Je me suis dit, allez, tu te lances. Et puis, ben, on verra bien. Voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Alors, je crois que de mémoire, il m'aurait fallu... avancer les points par ici. Je vais pas avoir tout à fait la même marge, mais bon, c'est pas grave. J'ai je crois 10 cm, 8 ou 10 cm de chaque côté de ma toile, donc j'ai largement de quoi faire. C'est pas un souci. De toute façon, je n'encadre pas mes toiles, moi, donc je verrai avec celle-là, hein, si si elle plaît à mon mari aussi, et si j'ai envie ben, de l'exposer. Ça se fera avec le temps et surtout si j'arrive à la finir dans pas trop longtemps. Alors, on va broder très simplement parce que, en fait, je vais commencer là, hein, comme d'habitude, en haut à gauche, hein, puisque j'ai fait mes repères. Et on va aller sur la droite. Hein. Voilà, alors faire les 100 points ici, je ne suis pas sûre. Donc, voilà, non, je pense que... Je ne sais pas comment je vais m'organiser en fait, donc on y va. J'ai ma petite boîte avec les fils, hop, que j'avais, je vous les avais montrés, hein, dans une autre vidéo. Donc, we go. On est parti avec le 3371. Alors, on y va, le 3371, il est ici. Et regardez, c'est un... Oups, c'est un marron foncé. Voilà. Je ne sais... Non, je crois que j'avais pas fait... Alors, attendez, parce que j'ai... J'ai bobiné, mais j'ai pas coupé mes fils en fait. Et en 20CT, par contre, je ne prends pas une trop grande longueur, une trop grande longueur. Donc, je vais couper là. Ah non, suis-je bête? Parce que je ne prends qu'un fil en 20CT. Donc, Laure, tu réduis ta longueur, s'il te plaît. Je pense que ça, c'est bon. Allez, on est parti. Ma Claudie, regardez. Voilà, premier fil coupé. Allez, on y va. On démarre. Bah déjà, il faut que je prenne un fil. Alors, cette fois-ci, j'ai pris le système des bobinettes. Hop. Je sais pas si ça va être bien, j'en sais rien, je verrai. Si ça me convient pas, ben je prendrai les plaquettes. Le problème des plaquettes, c'est ben il va en falloir beaucoup, hein, parce que 90 couleurs, on en met combien? 20 par plaquette. Donc ça fait 4, ça fait 5 plaquettes. Voilà, allez, donc je brode en un fil. Alors,
Et ben là, comme de toute façon, je vais faire toute une ligne, il m'en faut combien? 10, 16. J'ai 16 points à faire. Alors, on ne va pas s'enquiquiner. Surtout que j'ai le téléphone en plein devant. Donc, je prends par ici. J'ai la toile qui va légèrement me gêner. Et j'ai pas de petit bitouillot rose là. Ah, peut-être que je vais prendre. Je vais piquer une pince. Hop. Voilà. Allez, on est parti. C'est officiellement commencé. Alors. C'est un petit peu plus. Alors, en 20 c'était normalement. Je fais de toute façon point par point pour être sûr. Excusez-moi si j'ai les mains devant. Hein. De ne pas oublier de demi-croix. Ça m'est arrivé sur la toile des dauphins. Donc maintenant, je ferme mes croix. Je fais mes croix complètes. Alors j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai plein d'envie. Broderie. Donc, ouais. Ça va être dur de. C'est dur de résister aux tentations. Mais comme je suis quand même fatiguée, d'un autre côté, je me dis, c'est pas la peine non plus de faire trop de toile. Mais bon. Comme je ne m'écoute jamais, j'ai commencé ben voilà, une nouvelle toile avec celle-ci. Hein. Alors c'est une toile qu'on m'a réclamée, ça fait déjà un petit moment. Hein, parce que ça fait un petit moment qu'avec Claudie, on devait la démarrer. Hop, je vais prendre mon petit ciseau, je vais couper. Mince. Ouais. Ah. Bon, je viendrai le mettre de l'autre côté. Hop. Alors par contre, je sais pas si je vais. Alors j'ai pris une aiguille de 28. Je me rappelle plus en fait si je brodais avec de la 28 ou avec la 26. Je sais plus. Ça fait un petit moment que j'ai pas brodé du 20 CT. Donc il faut que mes yeux se réhabituent à la petitesse des points. Heureusement, j'ai mon flash. Voilà. J'ai pas mis. Ah! Et ouais. Là, c'est encore mieux. Je sais pas si vous, ça fait une différence. Ah, si, quand même. Même en caméra, on voit la différence. Donc, ouais, il va falloir que je me réhabitue, surtout pour faire mes arrêts de fil, en fait. C'est tellement fin. Je n'ai pas repris la dauphin depuis des lustres. Et là, je me dis, mais il faut quand même que tu la reprennes. Le souci, c'est que le patron est microscopique. Il est vraiment tout petit. Donc, ben, ça prend du temps. Alors, attendez, hop, je prends mon stylet. C'est bon, je valide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on en fait 6 de plus. Et après, on fait la deuxième ligne.
Ouais, donc il faudrait que je reprenne les dauphins. Mais j'ai bien envie de mettre le patron sur Pattern Keeper. C'est beaucoup plus simple. Sauf que j'ai grisé ce que j'ai fait. Donc ça, c'est deux. Attendez, hein, voilà. Trois. Je finis juste les six que j'ai à faire là pour pas me tromper. Quatre. Cinq. Alors, je ne vous dis plus qu'il y a les chiens qui aboient, hein, parce que moi je les entends, mais vous, apparemment, vous n'entendez pas. Ah, là, peut-être quand même. Ils s'y mettent tous, hein. Je suis désolée, hein. Il y a des hommes qui passent dans l'impasse. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, ça, c'est bon. Allez, on fait le retour. Ouais, donc je voudrais le mettre sur Pattern Keeper, le patron des dauphins. Mais comme j'ai grisé ce que j'ai déjà fait, ça ne va pas être simple cette histoire. Donc, je ne sais pas comment faire. Prendre une photo, gommer, scanner. Et puis essayer de mettre bah déjà la partie que je fais. Bon, de toute façon, je serai obligée de le faire en plusieurs parties. Parce que mon imprimante ne fait pas de réduction. Et dans tous les cas, je ne peux pas mettre le patron complet parce que c'est plus grand qu'un A4. Et plus petit qu'un A3. Attendez. Il est comment le patron? C'est plus grand qu'un A4, ça. Quoique. Quoique, quoique. Bon, à voir. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais point. Mais en tout cas, il faut que je reprenne. J'ai envie de point compter en ce moment, donc autant en faire. Donc je suis très contente de commencer enfin ce temple égyptien qui me tente tellement, qui nous tentait hein, avec Claudie. Alors, c'est vrai qu'on a pas mal reculé, mais on a été bien occupés l'une et l'autre. Donc, ce que je ferai, c'est que dans les vidéos, alors je ferai pas des vidéos tout le temps, hein, mais quand je ferai des vidéos sur ce temple égyptien, je vous mettrai aussi ben, l'avancée de Claudie en photo. Comme ça, vous verrez son rendu à elle. Elle brode sur une veine CT aussi, je crois. Que c'est pénible. Les gens ont décidé de sortir. Cela dit, aujourd'hui, ici, il fait beau. Donc, ils ont raison de vouloir profiter du soleil. Hein. Qu'est-ce que c'est tout ce bazar, tous ces gens-là? À tous les coups, ce sont des témoins de Jéhovah. Je vais peut-être me planquer. Excusez-moi, je regarde par ma fenêtre.
Je vais aller me... Vous savez quoi? Je vais faire une pause parce que je sens qu'ils vont venir à la maison et j'ai pas du tout envie d'ouvrir à ce genre de personnes. Je reviens. Allez, bon, revoilà. Quelques minutes plus tard. Ouais, je sais pas ce que c'était, hein. Ils ont mis un truc dans la boîte aux lettres, mais je suis pas encore allée voir. Donc, je vous remets bien comme il faut. C'était assez vicieux leur façon de faire parce qu'en fait, il y avait un premier mec qui mettait, qui regardait, qui mettait un fascicule dans la boîte aux lettres. Et puis, il y avait deux autres bonhommes qui passaient au niveau des maisons 2, 3 minutes plus tard et qui contrôlaient. En fait, il n'y avait vraiment personne dans les maisons, quoi. Voilà. De façon à ce que ben, si jamais on se planque sur le premier et puis qu'après, ben, on voit qu'il est parti, on sort, on fait un truc, ben voilà. On se fait choper comme ça, quoi. Donc ouais, j'irai voir ce que c'est, mais bon, bref. J'ai trouvé que c'était quand même un petit peu bizarre. Alors, donc j'ai fini entre-temps le marron là. On va le continuer parce qu'il y en a d'autres un petit peu plus loin et je ferai le deuxième marron qui est entre les deux bah, après. Je vais m'arranger comme ça. Alors, donc je suis ici. Il m'en faut deux. 1, 2, 3. Je peux vous assurer que c'est un peu compliqué de reprendre le 20 CT au bout de pas mal de temps d'arrêt. Hein. Il faut vraiment que l'œil se réhabitue. 1, 2, attendez. 1, 1 et 2. C'est ici. Hop. Toujours un petit peu trop bas. Alors là, je vais peut-être pas faire en... Je vais faire en demi-point de façon à bien bloquer le fil. Il m'en faut combien d'ailleurs? Il est où mon stylet? Il est là. Je suis un petit peu... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On en fait 9, alors. Allez. 1. 2, faut que je reprenne vraiment mes marques. 3, j'aurais dû baisser la toile un petit peu plus parce que je suis un peu trop près du bord. Et j'ai l'aiguille parfois qui se prend dans la toile. Non, on va faire déjà le point. Ah mais passer derrière. 4. J'aime pas. 5. Alors, je suis désolée si je parle pas beaucoup, hein, mais là on est vraiment sur du 20 CT. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait que faut que je me concentre. Surtout que je suis fatiguée en ce moment, mais j'avais tellement envie de commencer cette toile. Parce que tant qu'elle n'est pas commencée, on se dit, bah, je la commencerai demain. Bon, je la commencerai la semaine prochaine. Et au final, on traîne, on traîne, on traîne. Que là, au moins, elle est démarrée. Donc, maintenant, il va falloir que je me programme mes avancées sur mon petit agenda. Que je trouve d'ailleurs un petit peu petit. Jusque-là, ça allait. Mais c'est vrai que... En fait, je mets sur le même agenda. Alors, c'est un petit agenda format A5 que j'achète à Action. Hein. Les à spirale, ils sont bien. Hein. Mais ils sont un petit peu petits vu tout ce que j'ai à mettre maintenant. Parce que
Je mets, je vais faire ça. Non, alors attendez, je vais faire autrement parce que j'en ai deux à faire en bas. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. Comment? Je mets pas mal de choses sur l'agenda. Bah déjà les rendez-vous. Hein, parce qu'après tout, un agenda, c'est déjà fait pour ça. En fait, je coupe chaque jour en deux parties. Sur la partie de gauche, oh mince, je suis vraiment fatiguée. Hein. 3, 4, 5, 6. Et là, j'en fais deux en bas. Et deux. Deux. Ça, c'est fait. Et là. Deux, trois, quatre et cinq. Ouais, donc sur mon agenda, en fait, donc je sépare chaque jour en deux. Et du côté gauche, je mets les rendez-vous médicaux ou autres, hein, enfin, n'importe quel genre de rendez-vous. Je me note aussi la cortisone à donner à Fifi, parce qu'elle en prend qu'un jour sur deux. Et je note la vidéo qui sort le jour. Voilà, la vidéo du jour, je la note là. Et du côté droit, j'ai une section que j'ai appelée point de croix. Et là, je me note les toiles que j'ai brodées ce jour-là. Alors là où les toiles, hein, où je note rien si je n'ai pas brodé ce jour-là. Mais je trouve que c'est un petit peu limite. D'ailleurs, mon mari me l'a dit. Hein. Il m'a dit, mais tu devrais te prendre un agenda pour toi, quoi. Oh, je lui ai dit non, c'est bon. Je verrai l'année prochaine. Peut-être qu'au lieu de prendre un A5, ben, je regarderai ce qu'ils ont en A4, déjà. Mais ouais. Là, c'est vraiment une activité à part entière hein, aujourd'hui pour moi, le point de croix, donc enfin la chaîne en tout cas, et le point de croix bien entendu, puisqu'il y a essentiellement du point de croix, mais il va falloir quand même que je refasse aussi du diamond painting. Hein. J'ai les DP à faire pour ma soeur. Faut vraiment que je continue la fille sur la plage là avec toutes ses couleurs, et elle est superbe et je veux pas la laisser de côté. Donc, je ferai pas de vidéo, je pense pas faire de vidéo parce que bon, j'ai pas envie. Alors, comment que la trame elle est? J'y vois rien, vous le savez. J'ai les yeux qui sont tellement habitués à plus gros que. Hop. Et on prend là. Et on prend là. J'ai mon aiguille qui se coince. Voilà. Allez, ça c'est cool, c'est fait. Hop, je valide. Bon, petit à petit, mon œil se fait à la toile. Alors, vous savez quoi, l'aiguille en 14, je vais l'enlever. Hop, je vais la mettre là. Voilà. Alors. J'ai pas réfléchi en fait à comment est-ce que
je vais ranger ce fil. Ouais, j'y ai pas réfléchi à ça. Ben, vous savez quoi? On va le mettre comme ça, regardez. Ça va que je fais pas des longs fils. On va le passer là-dedans. Oh, je sens que ça va me saouler, ça. Il faut que je trouve une technique. Claudie, comment tu fais? Comment que tu fais? Voilà. Hop. Voilà, j'ai passé là-dedans. Vous l'avez pas vu, mais... J'ai fait une boucle et je l'ai passée là. Allez, le 3371, il est fait. Je sens que ça va être le bordel dans cette boîte. Ça va pas me plaire. Ça va pas me plaire, je le sens. Alors, on passe au second marron, qui est le 938. Le 938? Ah oui, mais si tu cherches dans les 700, l'or, tu trouveras pas. Hein. Oh, 938, regardez, c'est un caramel. Enfin non, c'est pas un caramel, c'est un marron plus clair. Ah, il est là. Non, c'est pas ça. Alors. Ça, c'est... Quoi que... mais Laure, t'es bête ou quoi? Tu fais un... Un 20 CT, tu prends qu'un fil et tu le plies pas en deux. Ok. Tellement l'habitude de broder à deux bras maintenant que je fais n'importe quoi. Alors, on y va. Hop. Bon, ça, je vais le ranger parce que j'en aurai plus besoin. J'ai l'impression que cette vidéo n'a ni queue ni tête. Hein. Je pars un petit peu dans tous les sens. Je suis désolée. C'est le démarrage de la toile. Et puis c'est surtout une nouvelle organisation parce que moi je me sers normalement de... Comment? Des plaquettes. Et là, je ne veux pas m'utiliser les plaquettes. Mais c'est pareil, je ne sais plus si j'utilisais l'aiguille en 26 ou en 28. Cela dit... Ah ben non, c'est ça, c'est une 28, puisque sur ma dauphin, j'ai regardé, c'était bien une 28. Mais je crois, vous savez quoi, on va faire un test, parce que il me semble que je prends la 28 pour arrêter le fil, parce que sinon avec la 26, ça me fait un arrêt trop épais. Mais par contre, je prends une aiguille. En 24 pour broder. En 24, non, l'or, en 26. Pour broder, parce que ça fait des croix plus épaisses. Hein. Ouais, forcément. Et il me faut mon enfil-aiguille, hein, sinon j'y arrive pas. Cette vidéo, c'est du gros n'importe quoi, je trouve. Hein. Vous me direz, hein, mais. On voit la nana qui n'a pas brodé de 20 CT depuis un certain temps. Hein. Ou un temps certain, c'est vous qui décidez. Alors, on y va. Hop. Peut-être que là, je vais retrouver mes marques. Hop. Alors là, oups, on va le marquer quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il doit y en avoir 6, Laure. 1. 1. Je bataille. 2.
5. Et 6. Alors j'ai bien envie d'essayer de couper. Il est où mon autre? Attendez. C'est le maxi bazar sur le bureau. J'ai des toiles de partout. J'ai des toiles de partout. J'ai ma Caroline Manning. J'ai ben, la toile, une des deux toiles pour ma vidéo 2 semaines de toiles qu'il faut que j'avance. J'ai ma reine des fleurs au fond. Vous voyez, hey, il coupe pas ce. Il va falloir que je change ce ciseau. Franchement, j'en suis pas. De ceux-là, j'en suis pas contente. Enfin, en tout cas, de celui-là. J'en ai donné un autre à ma soeur. Elle m'a dit qu'il était bien. Mais alors, moi, celui-là, il coupe pas. Mais je me rappelle pas avoir coupé autre chose que du fil avec. Donc. C'est quoi ça? Allez, on y va. On ferme. Si j'y arrive, parce que là, je me prends. Le Q-snap dans l'aiguille. Vous voyez les... Est-ce que vous voyez la différence entre ces croix-là et ces croix-là? C'est un petit peu plus épais, je trouve, de prendre une aiguille un petit peu plus épaisse, et ben ça donne un peu plus de gonflant à la croix. Bon, dites-moi si je rêve, hein, mais... Il y a de la circulation, on se croirait sur l'autoroute hein, aujourd'hui. Les gens sont incroyables. D'habitude, quand je filme, je suis tranquille. Et là, aujourd'hui, que se passe-t-il? Voilà. C'est hyper fin, c'est hyper joli, c'est hyper minutieux, c'est hyper fatigant pour les yeux. Non, je suis contente. Il faut juste que je me réhabitue. Quand je vais passer sur le 11CT, je vais avoir l'impression de faire un monstre. Voilà, j'en ai 1, 2, 3, 4 et je dois en avoir 5. Donc je vais quand même contrôler. 1, 2, 3, 4, 5, oui. On va peut-être valider ce d'en haut. Ce sera bien. Hop, sélectionner cela. Toujours tendance à oublier à valider sur Pattern Keeper. Comme là, ma limite, elle est faite de toute façon parce qu'il faut que je remplisse entre les deux marrons. Eh ben, j'ai pas forcément besoin de l'application. Sauf pour le numéro DMC. Je suis sage, hein, vous avez vu? C'est normal. Hein. Quand on fait ce genre de projet, il faut rester concentré. Gwen? Il faut qu'on fasse une vidéo sur la mouille. Dis-moi où tu en es. Bon, là, je vais tirer un peu mon fil. Tant pis. Ouais, j'aime pas. Hein. Même sur du 20CT, moi, j'aime pas tirer mes fils. Hein. Ça m'énerve. Alors, là, je dois en avoir combien? Ça, je valide. 10 moins 3, ça fait 7. Ah, mais il y en a d'autres là-bas. 7 et 3, 10 et 4, 14. Donc là, je dois en avoir 14. Je suis bête. Non, Laure, ce n'est point comme ça que tu vas faire. Parce que j'en ai d'autres. Après ces deux points-là, j'en ai d'autres. Donc, on va finir le fil. Donc, on va faire en aller, pas en aller-retour, justement. On va faire des croix complètes. J'ai mal à la tête, les amis. Allez, c'est parti.
2. Six. Sept. J'ai cru que j'avais piqué un petit peu plus loin que le point. Il m'en manque un. Il me manque un point. Non, je me suis plantée. Merde. 1, 2, 3. Ah putain, je me suis planté là. Aïe, 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 aïe. Ce point-là n'est pas bon. Ce point-là n'est pas bon, Laure. Bon, eh ben, vous savez quoi? On va passer dessus. J'espère qu'il se verra. Surtout que mon arrêt est de ce côté, avec un point dessus. Donc, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Bon, ben, ça commence bien, Claudie. Hein. Je me suis déjà plantée sur mon nombre de points. 1, alors attendez, je vais prendre par là. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ouais, 12 et 13. Et voilà comment on se plante. Quelle cloche. Ah, ya, ya. Pourtant, j'avais compté 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah non, mais alors je sais même plus compter. Hein. Mais du coup, il m'en manque un aussi là. 30. Bah non, ça c'est bon. J'ai juste décalé ce point en fait. Bon, bah écoute, on va essayer de de bidouiller. Hein. Pour une croix. Oh, mais qu'est-ce que je fais? N'importe quoi, là. Oh, mais tu fais n'importe quoi. Oh, y a la cata, c'est la cata, c'est la cata. Fais n'importe quoi, là. Tu fais n'importe quoi. Les conneries de l'or quand elle est fatiguée. Jamais faire de vin c'était quand on est fatigué. Ah bon, c'est pas grave, hein. Ça se corrige. Allez, on y retourne. Hop. Et puis on va corriger comme ça, hein. C'est pas grave. On n'est pas à un point près. Je suis pas sûre que ça se voie, mais c'est pas grave. Psychologiquement, j'irais oui, j'ai fait mes 14 points.
là. Donc là. Et oui, Laura. Et oui. Ok. Bon, c'est pas grave. Je vais arrêter mon fil ici. Ouais, vous voyez, c'est un petit peu plus épais avec l'aiguille 24 quand j'arrête le fil. Mais au moins, j'y vois. Je suis désolée si ça fait bouger le... Mais je crois que je prendrai l'aiguille 26 pour arrêter... Oh, non, mais sérieux, les amis, je fais que des conneries. Je voulais pas arrêter mon fil puisque je voulais continuer après. Je m'énerve moi-même. Bon. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà corriger mon erreur ici. Au moins, ça sera fait. Je vais déjà valider cela. Ça sera fait. Je vais récupérer celui-là. Hop. Hop. Voilà. C'est le 3371, nous avions dit. Donc, on va prendre plutôt l'aiguille. Je l'ai enlevée. Mais nous allons prendre l'aiguille 26, qui est celle-ci. Alors, j'arrive à les reconnaître tout simplement parce que en soi, si on regarde bien, entre la 24 et la 26, il n'y a pas énormément d'écart. Si ce n'est que la... La 24 est un chouïa plus longue. Et alors là, vous êtes vraiment très près. Elle est un petit peu plus grosse, mais ça ne se voit pas non plus des masses à l'œil nu. Mais moi, je l'ai reconnue parce que la 26, elle a un chat doré, que l'autre, non. Je reviens, j'ai le téléphone qui sonne, c'est monsieur. Allez, on reprend un petit peu. Je pense que je ne vais pas faire grand-chose au niveau de cette vidéo. Je vais arrêter parce que je fais n'importe quoi. Donc, j'ai fait le point qu'il me manquait. J'ai commencé... Le fil, enfin j'ai repris le fil que j'ai coupé. On va finir le fil, il reste pas grand chose. Et puis après j'arrêterai la vidéo là parce que c'est une catastrophe. Donc là il faut que j'en fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça en fait 2, 3. Cinq, six et sept. J'ai dit à mon mari, il me fait, tu fais quoi? J'ai dit, ben là, j'attendais, j'ai profité de la coupure qu'il appelle, c'est bien lui, hein, pour... j'ai attendu que ma lessive se termine parce qu'il restait que 3 minutes et je l'ai étendue. Et j'ai dit, ben là, je vais étendre le linge. Je vais finir la vidéo que je suis en train de faire depuis tout à l'heure. J'ai dit, alors, je fais des coupures. Je lui ai expliqué les mecs qui sont passés. Et alors, je suis pas sûre que ce soit les témoins de Jéhovah, mais c'est un truc pareil avec Jésus, je sais pas quoi. Alors. Donc, je lui ai expliqué comment est-ce qu'il procédait, en fait. Et j'ai dit, mais bon, je suis en train de faire une vidéo, mais je fais que des conneries dessus. Donc, je vais finir ce que je fais là et puis j'arrête. J'en prendrai une autre sur laquelle je suis persuadée que je vais encore faire des bêtises. C'est sûr. Mais c'est pas grave. On dira dans les vidéos que c'est la journée sans. Donc, ça, c'est fait. Allez, on va aller donc jusqu'au 40. Déjà, on va faire ça. Après, il en faudra 4. Il en faudra 2 en bas. Et il ne faut pas que je me plante. Alors, on y va. Donc, 1, 3, ça en fait combien ça? Ah oui, mais attendez.
Non, c'est ça, je dois en avoir 8. Ouais, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, ça c'est bon. Allez, on a réparé l'erreur. Bon, là, on ne voit pas trop. Ah, si, ça se voit un petit peu quand même. C'est pas grave. J'ai pris quoi comme aiguille? Ah, mais ouais, mais. Je sais pas. Attendez. Mais ouais, c'est pas celle-là qui me fout, c'est celle-là. Oh là 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 là. J'ai pas de sonnette d'alarme aujourd'hui, hein, pour me dire, Laure, tu fais n'importe nawak, hein, c'est pas possible ça. Allez. 1, 2, 3, 4. 5. Donc là, j'en ai 4 de plus. Oui, 1, 2, 3, 4. 1, 2. J'espère que je vais pouvoir faire le retour. Hein. Il ne manquerait plus que ça. 4. Et c'est là que j'en ai 2 en bas. 2, 3, 4. Oui. Une ici. Et une ici. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Mais je ne suis pas trompée. On va décerner la palme à Laure. Elle ne s'est pas trompée sur le coup. Bon, je pense que vous n'aurez pas de vidéo sur celle-ci. Hein. Je vous la montrerai dans les avancées. Je sais même plus si je vous l'ai dit ou pas, mais ça me semble, elle me semble tellement. Peut-être parce que ce sont des fils foncés. Ça me semble plus compliqué. Donc celle-là, je la ferai tranquillement dans mon coin. Ou alors. Des vidéos dessus, mais je papote pas quoi. Je fais que broder et puis voilà, parce que dans tous les cas, c'est quand même c'est pas évident. En fait, c'est pas évident de se remettre au 20 CT. J'ai laissé trop de temps entre les vidéos pour me remettre au 20 CT, mais c'est joli, hein. Très fin, ça fait super joli. J'aurais dû refaire un petit peu mes dauphins avant d'entamer celle-là. Voilà, ça c'est bon. Et maintenant, on fait en haut. Donc en haut, on va essayer d'aller jusqu'à la limite là. Et on va y aller en croix pleine. De toute façon, mon fil, il va se terminer. Donc une. Pas sûr d'y arriver d'ailleurs. Deux. Super. Alors là, vous savez quoi?
On arrête la vidéo là, ça fait 35 minutes. Je suis désolée, hein, j'ai courte parce que là, il va falloir que je tourne le Q-Snap. J'ai vraiment besoin de ça pour remettre mon fil. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Je suis vraiment désolée pour celle-ci. C'est du gros n'importe nawak. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment en ma compagnie. Je vais y arriver. Je vais aller me faire une bonne tasse de thé. Et puis, ben on se retrouve demain dans une prochaine vidéo de réalisation. Je ne sais plus si j'ai dit. Donc j'arrête là. Je coupe. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain. Bye bye!